Théo. Théo. Ah oui, c'est sûrement lui, c'est sûrement Théo. Ça, oui. Bon, l'important est d'aller au fer tout de suite. Et d'essayer d'entrer en contact avec Théo. Bon, allez, allons-y, les enfants, tous au fer. Allons-y. Ainsi, nous y voilà, ce fameux phare du Cap d'Or. Ah, maintenant, s'agit d'y pénétrer. Qu'est-ce que c'est? C'est bien à monsieur le gardien de phare du Cap d'Ambre que nous avons l'honneur. Ouais. Lui-même en personne. Ah bah oui. Oh, excusez notre émotion. Et si par surcroît, nous avions la signe faveur de pouvoir visiter... Ah, désolé, monsieur, mais c'est absolument interdit, le règlement. Mais nous comprenons, monsieur, aussi aurions-nous mauvaise grâce d'insister... Ah, quel dommage. On aurait tellement aimé contempler les lieux que vous habitez. Mais admirez ces appareils de précision que vous maniez avec tant de subtile virtuosité. Monsieur, croyez bien que... Enfin, puisque c'est impossible. Toutefois, permettez ce... Petit billet de 10 000. Mais je n'ai pas le droit, monsieur. Acceptez le pourboire. Oh, mais qui parle de pourboire? On n'oserait jamais. Des simples souvenirs. En témoignage de notre admiration. Alors, au revoir, monsieur. Au revoir. Quand même. Oh, ben vous êtes trop chic, après tout. Hein. Personne n'en saura rien. Hein? Allez, entrez. C'est très chic de votre balance. C'est haut, hein? C'est amusant! Je reviens du tout, ça! Un petit arrêt, là. C'est là que je loge. C'est charmant! C'est bien meublé! Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend? C'est un ami, oui, que j'ai invité. Oh, je souffre! Mais dites-moi... Mais on dirait qu'il est malade. Oh là 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 là. Ah ben oui. Mais qu'est-ce qu'il a? Ah ben c'est à l'heure. Il n'y a pas une heure, il s'amusait avec la lanterne et puis... À présent que je l'ai renfermé. Mais écoutez, si vous permettez, monsieur, notre ami que voilà est docteur... Qui? Moi? Ah, docteur, oui, si. Professeur Allegro Malantropo de la faculté des Civitavec. Ah ben je veux bien, ça a l'air sérieux, hein. Et par ici, monsieur. Alors, allons voir ça. Là. Très vite. Voilà, là, venez, que je l'examine. Ben, qu'est-ce qu'il a, docteur? Il peut presque plus respirer. Ah, si, je vois. Ouh là 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 là. C'est le mal du phare. Quoi? Le mal du phare. Moitié pharyngite, moitié pharatyphoïde, moitié infection pharamineuse. Il faut lui faire de la trifomycine, vous en avez? De la? Trufomycine, l'antibiotique à base de truffes. Peut-être pourriez-vous aller enquérir en ville chez un pharmacien. Mais on va... Non, pas besoin d'ordonnance pour la trufomycine. Ah ben alors j'y cours. Oui, courez. Je vous le confie, surveillez-le bien. Vous bien entendu, comptez sur nous. En attendant, je vais lui faire un traitement bidon, c'est justement ma spécialité. Oh, quelle histoire. Allez, vite. Ça y est, il est parti. Théo! Mes amis, mes copains. Théo, vous avez été formidable. Génial, votre truc de la lanterne. Sensationnel. Oui, là, ça faut rien exagérer, c'est pas mal. Non, j'ai eu de la chance, voilà tout. Pour une fois, ça s'est bien arrangé. À suivre. Et de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement.